Ce jeudi 27 septembre, France 3 diffuse Salut ton thème, film de Claude Lelouch avec Johnny Hallyday et Sandrine Bonner. Le rocker avait fait, lors de la sortie du film, quelques étonnantes confidences sur ses relations avec l'actrice. C'était en 2014. Salut ton thème arrivait en salle, et ses acteurs principaux, Johnny Hallyday et Sandrine Bonner, faisaient la tournée des plateaux pour se livrer en interview. Ce jeudi 27 septembre, France 3 diffuse le film en première partie de soirée, et les anecdotes autour du film ressurgissent. Ce n'est pas un couple de cinéma, disait Claude Lelouch du duo Hallyday-Bonner, selon Allociné. C'est un couple possible, ils se sont aimés, tout de suite. Les propos de Johnny Hallyday, à l'époque, sont sans équivoque. Si je n'étais pas follement amoureux de Laetitia, elle pourrait être la femme de ma vie, assurait-il ainsi en évoquant Sandrine Bonner, l'actrice qui faisait aussi craquer Hugh Grant. Pas sûr que Laetitia ait apprécié ses propos, elle qui devait déjà composer avec la réputation d'un Johnny aux 3000 maîtresses. Si l'alchimie entre Sandrine Bonner et Johnny Hallyday n'a pas dépassé le cadre de Salut ton thème, le taulier déclarait aussi s'être pour d'autres raisons fortement identifié à son propre personnage, un père tenu loin de ses enfants par son travail. Je n'ai pas eu 4 filles comme le personnage, mais 4 enfants qui ont été élevés par leur mère parce que je n'étais pas là. Un père absent, déplorait-il.